Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dimanche. Donc c'est le journal créatif de la semaine. Alors on est au 22e, si je me trompe pas, 22e journal créatif, ça passe vite. Hein. Alors, comme c'est la nouvelle année, si vous n'avez pas vu mes vœux avant, d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024 avec plein de bonnes choses. La santé surtout et plein de petites créations, plein de petites croix, plein de tricots, plein de belles choses pour cette année. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais refaire une mini présentation. Comme ce sera le premier journal créatif de la semaine, de l'année, pardon. Alors, j'aimerais bien remettre mes manches. J'ai froid, je suis gelée. Oh, je viens de remonter le chauffage, je suis glacée. En plus, je viens de me bloquer au dos, donc c'est super. Alors, moi, c'est Edith, Didith, alias l'atelier de Didith. J'ai 60 ans, voilà, je les ai eu en novembre, donc il n'y a pas longtemps. Je suis mariée avec Chouchou, vous commencez à connaître. J'ai 3 enfants et j'ai des petits-enfants, plein de petits-enfants. j'ai mes enfants aussi ici à la maison qui sont un peu poilus. C'est-à-dire Pacha, Jerry, Pacha c'est un bichon maltais, Jerry c'est un Yorkshire, et Fifi, nationale, que vous connaissez, qui elle est une croisée, voilà, une croisée de Chartreux, Chartreux et Maine Coon, voilà. Je ne travaille plus depuis 2019 pour raison de santé, je suis en invalidité. Sinon, j'ai toujours travaillé énormément, beaucoup, beaucoup de trop. C'est pour ça que je ne suis pas en très bonne santé. j'ai fini ma carrière en tant qu'auxiliaire de vie. J'ai été auxiliaire de vie pendant une bonne quinzaine d'années. Pendant ces 15 ans, j'ai aussi été patron de ma propre boîte de service à la personne. Avant, j'ai travaillé beaucoup dans le commerce surtout alimentaire. Donc je me suis un peu usée au boulot, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Sinon, moi j'aime beaucoup les loisirs créatifs. Vous l'auriez deviné. Hein. Alors, j'ai fait beaucoup avant du scrapbooking, de la carterie, j'ai fait de la fimo, j'ai fait des perles. J'ai fait du coloriage, j'ai fait du cartonnage. Qu'est-ce que j'ai encore fait avant? Je ne sais plus. Quand j'étais très très jeune, j'ai fait des émaux, j'ai fait plein de choses. Et là, depuis ces dernières années, je fais principalement de la broderie, du diamond painting et du tricot. Voilà. Oui, j'ai fait aussi, c'est de la couture. Voilà. Des fois, je me dis, il faudrait que je me remette un peu à la couture, mais bon, voilà. que puis-je vous dire d'autre? Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Donc ma chaîne, je l'ai faite il y a ça fera 8 ans au mois de juillet.
Voilà. Je l'ai faite, je sais plus pourquoi. Enfin, je sais plus comment ça m'est venu, que j'ai voulu faire ma chaîne. Je sais que j'avais commencé par du diamond painting, mais les vidéos sont pourries de pourries. Elles sont encore sur la chaîne. Je les ai pas enlevées. Elles sont encore sur la chaîne. Ça vous, si vous allez voir dans les 4-5 premières vidéos, vous verrez que j'étais nulle en vidéo. Heureusement, j'ai fait un petit peu plus de progrès. Donc voilà, mais je ne sais plus exactement pourquoi. J'avais fait du diamond painting, puis je crois que j'avais vu des vidéos de diamond painting, donc j'ai dit bon, pourquoi pas. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Alors sinon, le journal créatif, donc je le fais toutes les semaines. Moi, je le filme le samedi soir, mais vous le voyez le dimanche. En général, c'est le dimanche entre midi et 14h. Ça dépend du temps que j'ai eu et que j'ai mis pour monter la vidéo, puisque je la monte le dimanche matin. Donc le journal créatif concerne tout ce que j'ai fait la semaine en loisirs créatifs, mais bon, en ce moment c'est surtout principalement, comme je vous disais, de la broderie, du tricot, du diamond painting, un peu de coloriage. Voilà, en ce moment c'est surtout ça. En sachant que en ce moment je me pose des questions sur le tricot. Là, bon, vous savez, j'ai trois ouvrages en route, en cours. Mais des fois, là, depuis quelques jours, je me pose la question un peu plus souvent. Est-ce que je vais continuer le tricot? Donc, c'est peut-être juste une idée qui passe comme ça. Mais bon, pour l'instant, je vais terminer déjà mes trois ouvrages et puis je réfléchirai après. Comme ma belle-fille m'a dit tout à l'heure, peut-être faire une coupure, mais avec quelque chose au crochet. Voilà. C'est vrai que là, bon, moi, je voudrais bien me faire une veste au crochet. Donc peut-être que quand j'aurai terminé ces trois ouvrages-là, faire ma veste au crochet pour dire de changer un peu et ne pas toujours être sur le tricot pur. Voilà. Bon, mais on verra, on en reparlera. Alors, vous voyez que j'ai les coupures hein, quand je parle. Vous savez pourquoi. Beaucoup d'entre vous commencent à le savoir, commencent à me connaître. Je suis en crise sur ma langue, donc j'ai toujours mon petit bonbon à la menthe, hein, j'en suis désolée, mais ça adoucit. Et là, depuis 2-3 jours, j'étais tranquille 2-3 jours, et là, depuis 2-3 jours, ça s'est reparti comme en 40. Mais bon, je pense aussi que c'est parce que je suis fatiguée, mais bon. Je m'y habitue. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va d'abord parler de ce que j'avais prévu. Ah oui, je vous dis, je me suis croqué le... Rien qui va aujourd'hui, rien. Alors, ce que j'avais prévu cette semaine dans mon nouveau planeur, que je vous ai dit à présenter. Je l'aime bien en tout cas. Alors, j'avais prévu. Alors déjà, il y avait le 1er janvier, c'était lundi. Il fallait que je commence la broderie du nouvel an et la nouvelle couverture météo de 2024. Ensuite, j'avais des broderies à faire, c'est-à-dire la broderie du jus de carotte.
La broderie météo de la maison météo, celle que moi j'ai dessinée. La broderie, le sale All Forest que Julia organise. Mon petit dragon, la broderie du Dragon White Book. Le sale mystère de Sabine. La grenouille, voilà. La grenouille. Après, je vais. Oui, la fleur que je fais en duo avec Céline. Donc, c'est une broderie Joy Sunday. Il va y en avoir 8 en tout. Donc, on en fait une par mois. Ma broderie estampée du dimanche. Oui. Et bien sûr, mes tricots, c'est-à-dire mon pull camionneur, mon pull fil d'art et le pull débardeur de chouchou. Voilà. Et avancer ma couverture de l'année dernière, qui n'est toujours pas finie. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Non. Mais vous verrez, bon, certaines d'entre vous le savent déjà, mais vous verrez après. Alors, on va commencer par le DP comme d'habitude. Alors, je vous avais fait une vidéo de préparation. Je vous avais demandé, rappelez-vous, il y a 15 jours, je crois, déjà, de choisir un DP puisque j'avais terminé les bonhommes de neige et vous aviez choisi la fée clochette. Voilà, vous avez choisi la fée clochette. Donc la semaine dernière, ouais, je crois que c'est la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo de présentation, enfin une vidéo, pas de présentation, de préparation, pardon, de mon DP. Et donc cette semaine, dimanche, à partir de dimanche, vous aviez choisi 2 cases, puisque là, je vous avais dit, le DP n'aura que 16 cases, mais elles sont un petit peu plus grandes que d'habitude. Et donc, vous aviez choisi 2 cases. Et les 2 cases qui ont été le plus choisies, le plus votées, c'est la case 11 et la case 15. Voilà. Donc, mes 2 cases sont faites. Voilà. Et donc là, c'était la 15 et ici la 11. Voilà. Et ça brille toujours autant. Voilà. Donc, pour l'instant, très agréable à faire, hein. Bon, c'est pas mal du bloc, hein. Voilà. C'est surtout du bloc. Donc il n'y a pas de souci particulier. Voilà. Je ne sais plus en combien de temps je l'ai fait. Je ne l'ai pas noté, mais bon. Donc voilà. Pour cette semaine, je vous mets ici la photo, voilà, de ce DP, pour que vous puissiez choisir donc des cases entre le 1 et le 16, en sachant que le 11 et le 15, vous ne pouvez plus voter pour eux, puisque je les ai faits. Donc, je vais vous demander de choisir 2 numéros, comme d'habitude, pour que que je puisse faire au moins 2 cases cette semaine. Je suis désolée, hein. C'est vrai que cette semaine, on va dire que j'ai eu 2 jours en moins. Parce que ben, dimanche, bon, j'ai fait quelques petites choses, mais rien de vraiment spécial. Puis c'était le réveillon, mais bon, on s'en fichait, hein, mais... Et lundi, qu'est-ce que j'ai fait lundi? Bon, donc lundi c'était Nouvel An.
je fais des vidéos et j'ai brodé. Ben oui, j'ai brodé, c'était nouvel an, je suis bête. Voilà. Mais on va dire que j'étais un peu moins productive, voilà, que d'habitude sur ces deux jours. Sur ces deux journées-là. On va dire que c'était une petite semaine. Voilà. Et puis cette semaine, alors hier, donc là, moi, je vous parle, on est samedi. Hier, toute la matinée, on n'était pas là, parce qu'on a fait les courses de la semaine. On va même dire que c'est presque les courses du mois, parce que rien dans le caddie. Et... Oh, purée, bon, quand je vois les tickets de caisse, maintenant, je suis verte. En plus, ça n'a rien à voir avec ce dont je parle aujourd'hui, mais je vous assure, bon, nous, on ne boit pas d'alcool. Donc déjà, il n'y a pas d'alcool dans le caddie. Niveau viande, parce que bon, j'en ai encore dans le congèle, on a juste acheté un poulet rôti. On avait l'odeur dans le supermarché. donc on a juste acheté un poulet rôti. Un peu de fromage, un peu de yaourt, même les packs d'eau, tout ça, non, parce que ça, on les avait fait faire par le drive. Qu'est-ce qu'on a acheté? Oui, des yaourts, du fromage, un peu de surgelé, mais genre, vous savez, les frites et trucs comme ça. Ouais, on est qu'à deux, hein, je m'embête pas. Mais vraiment, on n'avait rien dans le caddie. Rien. J'en ai eu pour plus de 100 euros. Il n'y avait rien. J'aurais encore acheté des rôtis, des... Mais non, il n'y avait même pas de légumes frais. Un petit sac de pommes de terre, oui. Un kilo, même pas un kilo de bananes. C'est tout. Voilà. Je suis dégoûtée. Donc là, je dis c'est les courses de la semaine, mais je crois que ce sera là les courses de 15 jours parce que là, c'est pas possible. Bon, voilà. Allez, on referme les parenthèses. Je suis désolée, mais j'ai très très mal aujourd'hui. Alors. Niveau d'épée, bon, je vais mettre sur le côté, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, j'ai pas pu faire de DIY ni rien, mais il y en a que je vais faire certainement cette semaine. Mais là, j'ai pas pu en faire. Alors, je vais parler tout de suite coloriage. Du coup, j'ai pas eu le temps. Inky, désolée. Elle m'a envoyé son coloriage. Je vais vous mettre. Je vais vous mettre qu'elle a fait la deuxième page parce que sur ce livre-là, on a une page de coloriage et souvent, il y a une deuxième page, la page juste sur le côté, avant, où il y a un ou deux motifs un peu en rapport avec la page à colorier. Et comme vous pouvez voir, elle l'a fait et en marquant un petit mot que c'était en souvenir de notre duo. Donc, ça m'a touchée, je suis très contente. Donc moi vous verrez mon coloriage terminé la semaine prochaine, promis, juré. On va pas dire craché, hein, parce que... Alors on va parler maintenant, alors là on en est déjà à 20 minutes. Alors, on va parler maintenant broderie, voilà. Alors, aujourd'hui, je ne l'ai pas oublié. J'ai bien pris ma broderie météo qui avance petit à petit. Là, on va dire que tuile par tuile. Et vous pouvez voir, voilà, que l'on a commencé... à colorier, à broder en couleur
les vitres de la première fenêtre, donc avec les températures de la semaine. Donc là, j'ai commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc il me reste dimanche à faire. Donc ça, je le ferai là dans la journée. Et j'ai avancé un petit peu le toit. Voilà. Niveau fenêtre, j'en ai pas fait de nouvelles. J'en ferai certainement cette semaine. Oula, attendez, je vais remettre bien mon aiguille parce que quand je range les broderies, je les laisse pas sur les aimants parce qu'après, ça peut glisser dans les sacs, ça tombe, ça. Puis avec les bébêtes, si ça tombe à terre, on sait jamais. Ouais, donc je vais continuer ma ligne de fenêtre ici, maintenant, en continuant mon toit. Oups. Puisque là, c'est j'en ai 4 pour le mois de janvier. 7 et 7, 14, 28. Donc, il m'en manque une. Donc, je vais refaire ma fenêtre de janvier qui me manque et je continuerai pour février, etc. Voilà. Donc là il commence à... là cette semaine je pense qu'on va commencer à avoir des couleurs beaucoup plus froides puisque bon, vous avez pu entendre à la télé hein, ils ont parlé de froid glacial. Bon, on verra hein, ce qu'on aura, mais bon. J'espère pas trop, hein, parce que qui dit du froid, bah, dit qu'il faut remonter le chauffage. Mais bon, je pense surtout à mes voisins de département, au Pas-de-Calais, qui, eux, vont être très mal s'ils gèlent. Grosse pensée pour vous. Voilà. Donc, celle-là, bah, hop, je suis à jour. Ensuite, je devais commencer. Alors, je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Nouvel an, lundi. Et donc, on commençait le sal du nouvel an que j'organise sur mon groupe. Qui consiste à broder, à commencer une toute nouvelle broderie, donc le 1er janvier, pour suivre la tradition des brodeuses, qui est de commencer une nouvelle broderie, surtout de poser ses premières croix le 1er janvier, pour nous apporter chance et bonheur tout au long de l'année. J'espère que ce sera vrai. Alors, moi, j'ai choisi de faire... Alors, je vais vous rappeler, hein, j'en avais deux en tête. Puis du coup, je vous ai fait voter et vous aviez choisi celle-ci. C'est une Riolis. Voilà. Donc, elle s'appelle... en français, c'était quoi ? J'ai pas marqué, non, mais là c'est Meeting at the Window. Voilà le petit chat qui regarde l'oiseau à l'extérieur. Elle est trop mignonne, trop belle. Alors, le thème du sal, c'était de choisir une broderie sur le thème de l'automne ou de l'hiver. Donc, en automne, ça pouvait être également l'Halloween, hein, pourquoi pas. Et en hiver, ça pouvait être également Noël. Voilà. Donc, on est assez nombreuses. Je n'ai pas le nombre en tête. Je vais y arriver. Mais on est assez nombreuses à faire ce sal. Voilà. Et donc, moi, bien sûr, je l'ai commencé. Alors, moi, c'est des fils... c'est sur une toile
Aïda Zegat 14CT, donc c'est du 5-5. Hein. Et j'ai 25 couleurs. Et je suis en train de chercher, c'est peut-être sur la documentation. Celui-là, en français, ah, c'est là-haut. Alors, est-ce qu'ils me le disent? Je sais que le fil, c'est laine et... Oh, ma mince. Laine et polyamide ou laine acrylique. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. C'est de la laine et acrylique. Voilà. Donc, on a des cartonnettes comme ceci. Le fil est super doux. Et il est un petit peu fluffy. Non, là, je pense pas que vous verrez. Mais c'est comme la laine. Ça fait, on voit les fils un petit peu, les petits filaments. Voyez, là. Je n'arriverai pas à vous le montrer. Hop. Non. Là, il y a les petits filaments, mais je... Ah, peut-être là, oui. Ouais, on voit un petit peu là. Donc j'ai 4 cartonnettes comme ça. Hop, voilà. Une comme ça. Là, avec tous les bleus et le blanc. Et ici, c'est le gris et le noir. Et là, tous les marrons. Alors, et j'ai pris également les trifiles comme ça, qui sont que moi j'ai numérotés. Hein. Ils sont numérotés pour ne plus bouger, c'est scotché et tout au-dessus. Et comme ça, je mets mes petits bouts de fil qui me restent quand j'ai terminé une partie. Voilà. Au lieu de les remettre sur la plaquette en carton, c'est beaucoup plus embêtant. Voilà. Et ici, j'ai fait une autre plaquette pour les couleurs mélangées. Voilà. Quand il y a deux couleurs à mettre ensemble. Et j'en ai une troisième au cas où. Alors, bon, par contre, moi, j'ai imprimé, parce que là, du coup, je crayonne, et je ne veux pas crayonner ou stabiloter sur ma toile d'origine. Donc, je stabilote, enfin, je crayonne sur une photocopie. Et là, j'ai photocopié la partie que je dois faire ce mois-ci. Puisqu'on fait une étape par mois. Donc, moi, j'avais... Hop. Sur l'original, je mets de loin pour pas qu'on puisse faire de capture d'écran. J'ai mis du washi, voilà, tout autour de la partie que je dois faire ce mois-ci. Et je ferai pareil après le mois prochain ici pour la partie numéro 2. Voilà. Et comme c'est du washi, ça part facilement. Enfin, j'espère. Ouais, si ça part facilement. Vous voyez, hop. Il n'y a pas de problème, ça n'arrache pas mon patron, rien du tout. Voilà, et comme ça, je garde mon...
patron tout neuf. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Je range ça parce que sinon... Donc, le tableau du mois... Alors, moi, c'est un... Il est en mode portrait, mais j'avais fait également en mode paysage pour celles qu'ils avaient en mode paysage. Donc, voilà. Ça, ce sont les cases que l'on va faire sur l'année. Donc, tous les mois sont marqués, vous voyez. Bon, là, tous les petits griffonnages que j'ai fait, c'est parce que j'ai calculé mes cases, voilà. Donc là, le février, ce sera là. Mars, on est là. Donc là, on aura fait toute la diagonale ici. Voilà, etc. Mais c'est pas la même que l'année dernière. Voilà, j'ai changé. Et d'ailleurs, ça portait un peu confusion sur 2-3 personnes qui ont corrigé tout de suite après. Elles avaient pris l'ancien tableau. Et mais bon, il n'y avait rien de grave. Alors, bon, j'ai pas fait grand chose encore, mais de toute façon, j'ai tout le mois pour le faire. Voilà ce que j'ai fait. Donc là, c'est la patoune du chat qui commence. Là, il y a des couleurs mélangées. Là aussi, il y a des couleurs mélangées. Donc, voilà. Avec le petit aimant à aiguille. De qui? De Sabine. Poussière d'étoile. Ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ça avance. Et là, je vous dis, j'ai un mois pour le faire, donc je ne suis pas en retard. Alors, j'ai organisé un deuxième salle qui, lui, je ne participe pas, puisque moi, je l'ai déjà brodé. C'est une de mes créations, je vous l'ai déjà montré. C'est peinture de brodeuse. Et donc là, j'ai fait les étapes en un mois. Mais j'ai déjà plusieurs personnes qui ont terminé en 2-3 jours, une semaine, l'étape. Donc, on va voir. Je vais voir comment ça se passe et si les personnes veulent qu'on accélère ou pas, on verra. Mais là, pour l'instant, je laisse un mois pour les étapes, puisqu'il y en a qui n'ont pas fini. Hein. Mais je viendrai vous montrer à la fin du mois la première étape de ce qu'elles ont fait. Ensuite, bon, je vais prendre en suivant. Ici, c'est le sale mystère de Sabine. Alors, j'ai bien avancé. Je pense que je n'aurais pas oublié de vous mettre des photos avant. Voilà. Voilà où j'en suis. Bon, moi, j'en suis toujours à l'étape 2. Hein, mais j'avance. Voilà. Donc là, alors j'étais ici, mais bon, je commençais à m'ennuyer un petit peu. Donc, je suis repartie là en bas. Pour dire de changer un peu de couleur. Et c'est ça qui me permet d'avancer un peu mieux. Toujours aussi agréable à faire. Aussi facile. Bon, il y a un peu de confetti, mais ça va. On s'en sort. On s'en sort bien. Je suis curieuse de deviner ce que c'est parce qu'on ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un animal, animal aquarelle, mais on ne sait pas lequel. Voilà. Donc ça avance. Je vais j'essaierai de finir cette étape-là cette semaine.
Parce que là, maintenant, ils en sont... Bon, moi, je suis très, très en retard. Hein. Alors, moi, j'en suis là. Donc, l'étape que je suis en train de faire, elle se termine le 14 novembre. Je dis ça, je ne dis rien. Ils en sont à l'étape 6. Après, il n'y a plus que 4 étapes. Ils en sont à l'étape 6. Donc, il faudrait peut-être que je m'accélère. Hein, que... Oh, excusez-moi. Bon, l'étape 3 va aller assez vite à faire. Je pense qu'en une, deux fois, elle sera faite. L'étape 4, elle sera un peu plus longue parce qu'elle sera comme la une. Après la 5, en une fois, ce sera brodé. La 6 aussi. Voilà. Donc après, c'est que des petites étapes, à part la dernière, mais qui sera quand même plus petite que l'étape 1. Donc, ça va. Je devrais rattraper au fur et à mesure mon retard. Mais bon. Donc voilà. Ensuite. Ah oui, la grenouille. Alors j'ai oublié de noter. Je vais regarder tout de suite. Ouais, non, j'ai oublié de la noter. Oh, en plus, j'ai les yeux qui pleurent maintenant. Oh là là, quand je vous dis, il n'y a rien qui va. Alors, ma petite grenouille. Ouais, j'ai pas fait beaucoup. Je l'ai fait aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai brodé plusieurs choses. J'ai fait 169 croix. J'ai toujours ça de fait. Hein. Donc j'en suis arrivée à 28,41%. Donc j'ai un gros quart de fait de la broderie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette broderie là, voilà, donc de la boutique Poussière d'Étoiles. Et moi j'en suis fil qui pendouille, hein, mais c'est pas grave. Voilà ma grenouille. Alors aujourd'hui j'ai fait ça, là les petits confettis ici à droite à gauche, et ici sur son nez, j'ai commencé à terminer son nez. Voilà, il est presque fini. Il me reste aussi l'œil à terminer et un petit peu le ventre. Et après j'aurai ses papates. Après, il me restera ses papates à faire et les petits feuillages. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte qu'elle soit finie également. Alors là, elle est sur un tambour rond, hein, puisque c'est une petite broderie. Voilà. Donc, pardon. Allez, hop. Il faudra que je marque sur mon carnet après les croix que j'ai faites. Ici, c'est quoi? Non, ça je vous le montre après. Alors, ma carotte. Ah oui, c'est vrai. J'ai remis là mes fils, j'ai oublié de les remettre dans la boîte.
Alors, comme je vous avais dit, j'allais peut-être changer, sortir un peu du feuillage pour changer un peu. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à broder le début de la recette. Voilà. Alors, j'ai fini, enfin, tard. Non, on va pas dire qu'il était tard. J'ai arrêté, il était 4h, 4h30 peut-être. Mais après, il fait très très noir. Malgré ma lampe loupe, il fait très très noir et donc ça fatigue beaucoup les yeux. Et je voulais absolument terminer le mot carotte. J'ai pas pu, j'ai pas su. Voilà. Mais je l'aime beaucoup aussi. Le rendu des carottes est trop top. Donc là, je ne sais pas combien j'ai fait de points, puisque là, je ne la fais pas avec le Pattern Keeper. Je fais avec le patron papier. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de points j'ai fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est ça, c'est ce modèle-là. Donc, chez Lily Point. Voilà. Allez, rentre là-dedans. Donc, à l'avance, doucement, mais sur... Ah, je vais remettre mes fils. Ah, décidément. J'avais tout rangé, j'avais oublié de ranger mes bobinettes. Je les laisse là-dedans. Ensuite... J'ai bien travaillé quand même hein, cette semaine. J'ai avancé. Alors, vous l'aurez deviné, pour celles, enfin surtout pour celles qui connaissent, c'est le sale de Julia, donc le Old Forest. Alors, j'ai galéré, je l'ai fait quand ça mardi. Mais j'ai galéré un moment. Je vous explique. Je sais pas, je brode. Donc j'étais ici. Vous voyez là, il y a même des petites citrouilles en beige. Puis à un moment, donc je commence à, j'avais fini mes quatre citrouilles, je commence à broder la verdure. Je regarde, je dis mince, il y a un truc qui ne va pas. Mais alors, j'avais brodé, j'avais tout brodé, hein, les citrouilles. J'ai un truc qui ne va pas, je ne tombe pas juste. Ça ne va pas. Donc je regarde mes deux citrouilles oranges. Je dis mince, pourtant elles sont pareilles, donc j'ai pas pu faire d'erreur ni rien. Donc je regarde. Bon, sur Pattern Keeper, je regarde aussi. J'avais bien tout coché, toutes mes croix faites. Je regarde l'image, je mets l'image sur l'ordinateur. Je dis mince, mes citrouilles, elles sont plus petites. Mais les deux. Donc je re-regarde sur Pattern Keeper, tout, je vérifie. Ah ouais, j'avais fait mes citrouilles, mais moitié. Alors les deux, j'ai fait exactement la même erreur sur les deux citrouilles. Donc les citrouilles orange ici et ici. Si vous voulez, voyez là, il y a trois.
trois traits là, vous en voyez trois de qui sont pas brodés. Ben moi j'en avais que deux. Mais j'ai fait exactement la même erreur sur les deux citrouilles à la croix près. Alors je sais pas, comment j'ai fait mon compte. Donc du coup j'ai démonté. Ça va, j'ai pu démonter à moitié les deux citrouilles. Donc là j'avais démonté ici de ce côté-là et celle-là j'avais démonté de ce côté-là. Et puis j'ai rebrodé. Mais alors, comment j'ai fait mon compte pour faire exactement la même erreur sur deux motifs différents, enfin deux, c'est deux citrouilles, mais c'est quand même deux motifs différents, j'en sais rien. Mais je sais pas. Et le pire, c'est que j'avais coché toutes mes croix sur mon Pattern Keeper. Donc sur Pattern Keeper, c'était bon, mais sur ma toile, non. Donc voilà. Alors, All Forest, j'ai fait donc 478 croix, donc mardi, et j'en suis arrivée à 35,48%. Voilà. On commence à avancer. Non, mais j'aime bien, il est top. Il est super beau. Celui-là, bien encadré avec un cadre marron rustique, il va être très très beau. Donc voilà. Bon. Donc Pénélope était chez moi mardi. Enfin, cette semaine, Pénélope est venue beaucoup. Hein. Elle est venue assez souvent frapper à ma porte. C'est pas bien. Alors, ensuite. La fleur que je fais en duo avec Céline, donc là bah, c'est pas du, c'est du Joy Sunday, hein. Voilà, donc c'est de l'estamper. Alors j'ai super, alors là je me suis, j'ai pas arrêté, j'ai super bien avancé. Alors on a un mois pour le faire, mais comme on dit dans le Nord, j'ai sac et d'un. voilà, donc j'ai plus grand chose à faire plus le point arrière, hein. J'aurais le point arrière à faire, mais voyez derrière, vous faites pas gaffe, hein. Moi mes dos de broderie sont moches, hein. Je m'en fous complètement. Voilà, comme ça vous avez mieux l'aperçu de ce que j'ai fait. Ah ouais, j'étais là, je regardais la télé, puis ça n'arrêtait pas. Je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, tant mieux. Donc là, il me reste une, deux, trois couleurs et puis une où il n'y a pas grand-chose à mettre. Voilà, plus le point arrière. Donc c'est jusqu'à la fin du mois, donc il n'y a pas de problème, elle sera terminée. Alors j'ai, je sais plus si je vous avais dit, oui, il me manquait la numéro 3, parce que je l'avais fait gagner pendant le calendrier de l'Avent par erreur, et donc je l'avais recommandé dans une boutique sur Seven Green, et il m'avait dit qu'il l'avait plus en stock. Et là, ils m'ont renvoyé un message en me demandant s'il fallait toujours que me l'envoyer parce que c'était revenu en stock. Je fais oui, 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 oui. Oui, oui. Il a faux. En parlant du calendrier de l'Avent, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai mis un message dans la communauté. Donc, désolée, j'ai mis un peu de temps, mais il fallait que j'attende ma pension. Donc cette semaine, vous devrez recevoir les lots que vous avez gagnés pendant le calendrier de l'Avent. Enfin, deuxième partie, hein, puisque il y avait déjà 10 jours qui avaient été envoyés. Et donc la deuxième partie du calendrier de l'Avent.
Je vais normalement lundi, moi, le bureau de poste est fermé, donc ce sera pas lundi. Mais normalement, je pense aller à la poste mardi. D'ici la fin de la semaine, vous devriez normalement avoir les lots. Alors surtout, dites-le-moi bien quand vous l'avez reçu. Vous m'envoyez un petit email ou par mon Facebook ou voilà. Dites-moi que vous avez reçu votre lot. Ensuite, ça c'est quoi? Ah. Mon dragon. Alors là, je suis un peu dégoûtée. C'est pas vraiment le mot, mais bon, j'ai un peu les boules. Voilà. Bon, vous savez que ce petit dragon, je l'avais commencé déjà il y a plusieurs mois. Et donc, je viens de le reprendre. Alors, je ne sais plus qui c'est dans mes abonnés qui m'a aidé à mettre certaines grilles sur Pattern Keeper, parce qu'il y a des grilles que je n'arrivais pas du tout à mettre et cette personne m'a aidé. Donc, si tu passes par là, pardon, déjà, j'ai complètement oublié ton nom, mais de toute façon, je suis un poisson rouge. Si tu peux me renvoyer un message, parce que j'aimerais bien mettre le dragon sur Pattern Keeper. J'y arrive pas. Voilà. Message passé. Je crois que c'est Véronique ou. Oh, je sais plus. Je crois que c'est Véronique, mais je suis pas sûre. Pardon d'avoir oublié ton nom si tu passes par là. Oui. Donc, voilà où j'en suis. On va vous mettre droit hein, quand même. Mais il y a un problème. C'est que bon là j'ai repris dans le bas et au fur et à mesure que j'avance là ben, je vois que là ici il y a plein d'erreurs. Alors au fur et à mesure que j'avance, enfin que je descends, je démonte et je rebrode. Du coup, j'ai un peu les boules, mais bon, je tiens bon. J'y arriverai. Je tiens bon, j'y arriverai. Voilà. Un petit dragon qui va m'embêter, non? Bon, c'est ça, hein, c'est quand on laisse. Bon. Ce qu'il y a eu, c'est que, bon, je vous dis, je l'ai fait il y a plusieurs mois. Je l'ai fait en PDF. Donc, il est sur mon ordinateur. Donc, quand je brode, je mets sur mon ordi ou sur ma tablette. Voilà, j'ai le PDF. Donc, je peux agrandir, baisser, tout ça. Mais je ne peux pas marquer ce qui a été fait. Et il y a plusieurs mois, je n'ai pas utilisé non plus la version papier. Ça m'aurait peut-être aidé aussi à mieux reprendre ma broderie si j'avais, par exemple, sur papier, stabiloté ce que j'avais déjà fait. Donc voilà, bon, ça y est, je retire. Du coup, je sais pas ce que j'ai fait exactement. Ah ben le haut du livre. Voilà, j'ai fait le haut du livre ici. Donc ça, c'est les pages du livre. Et puis après, ça m'a pris un peu le chou. Oh là, ma tête. Ça m'a pris un peu le chou et du coup, j'ai dit, bon, je le pose. Je le ressortirai la semaine prochaine. Je vais démonter ce qui ne va pas. Et voilà. Donc c'est pour ça, si j'arrivais à le mettre sur Pattern Keeper, ce serait mieux. Ah. Pattern Keeper, c'est la vie. où est-ce que j'ai mis? Donc voilà. Mais je ne le lâche pas. Je suis désolée. Je vais prendre un petit bonbon. M'excuserai, hein, mais je peux vraiment pas faire autrement. Qu'est-ce que j'en mange des bonbons comme ça? Je suis obligée et pas obligée. Ça apaise. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je crois. Alors, est-ce que j'ai avancé dessus? Je ne sais plus. Bon.
sais plus si j'ai, je sais pas si j'ai eu le temps de le sortir cette semaine. Donc c'est mon estampé du dimanche, voilà. Je ne sais plus. Alors là, j'en sais rien. Je vais ressortir la photo, de toute façon, au montage. Voilà ce qui avait été fait. Donc, je ne sais plus si j'ai avancé dessus ou pas. Voilà. Donc, je vous remontre en entier. Vous voyez, c'est une broderie bloc, bloc, bloc. Voilà. Mais bon, elle avance petit à petit. Mais là, je ne sais plus si je l'ai fait dimanche. Là, j'ai un trou. Je ne sais plus. Bon, on aura vu avec la photo. Peut-être que j'aurai avancé, j'en sais rien. Mais quand même... Ah ben non, je pense que j'ai pas pu puisque dimanche c'était réveillon et donc on a regardé la télé avec Chouchou donc ouais non j'ai pas, je pense que j'ai pas dû broder dessus, c'est pas grave. Voilà pour la broderie, mais c'est pas tout. Allez. Non. Alors, je ne sais plus si je... Non, j'ai pas dû vous en parler la semaine dernière. J'en dis tellement qu'au bout d'un moment, je ne sais plus. Hein. Notre petite Sabine... Malgré que la boutique est fermée pour les vacances, elle continue à penser à nous. Donc, Sabine, c'est la boutique Poussière d'Étoiles. Elle a sorti des grilles gratuites sur sa boutique pour nous faire patienter. Hein. donc les grilles sont accessibles hein, sur la boutique, il n'y a pas de souci, vous y allez à fiche broderie ou grille, je ne sais plus, et vous verrez, il y a les gratuites. Il y en a même des gratuites déjà d'avant, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, je ne sais plus si je vous en ai parlé la semaine dernière, mais moi j'ai craqué sur une des gratuites. Sur celle-ci, voilà, le Bouddha. Si, je crois que je vous en ai parlé. Je crois vous avoir montré. Ouais, je crois que je vous en ai parlé. Donc, moi, j'avais craqué sur le Bouddha. Par contre, j'ai pas marqué... le Bouddha. Ah si, je l'ai marqué, c'est bon. Donc, voilà où j'en suis. Bon, pour l'instant, ça fait un peu bizarre, mais voilà où j'en suis arrivée. Donc ça, je l'ai fait vendredi. Et vendredi, j'ai donc fait 305 croix. Donc en tout, j'en ai 650 de fait. Et il y en a 12 859 à faire. Je suis à 5%,05. Voilà. Bon, c'est le début. Hein. Voilà. Donc, je la brode sur une toile étamine bleu ciel que j'ai eue à la maison du canevas. Voilà. Mais donc, mon petit Bouddha avance. Petit à petit. Voilà, voilà. Bon, j'ai mis où ma pochette? Là. Mais oui, que voulez-vous? Alors, je profite que je parle de la boutique
pour vous dire que, alors c'est lundi le 8, ouais je crois que c'est lundi, il y aura des nouveautés sur la boutique à Sabine, des aimants, des trifiles, des nouvelles grilles. Oui, j'arrive. Il y en a deux qui veulent, hein, vous savez, la pause pipi. Des nouvelles grilles, il y aura plein de choses pour nous faire patienter jusqu'à la prochaine box, les prochaines box, pardon, qui auront lieu le 31 janvier, comme d'habitude, à 17h. Donc moi, je vous remets en barre d'infos, de toute façon, tous les liens utiles et nécessaires en barre d'infos pour que vous puissiez aller sur la boutique à Sabine. Bon, je fais une pause de 5 minutes parce qu'il y en a deux qui veulent aller faire pipi. Mais nous, on se retrouve tout de suite. Ça y est, c'est fait. Alors. Donc, vous voyez, j'ai quand même bien bossé cette semaine. Mais je me suis dit qu'il n'y en avait pas assez. Ça m'a pris comme un, je sais plus comment on dit, mais ça m'a pris comme ça. Hop, dit tiens, pourquoi pas? Pourquoi je ne commencerai pas une nouvelle broderie? Eh oui. Donc j'ai donc commencé. Je vous en avais parlé, hein. Les ronds bleus de Lanart, voilà. Donc c'est une broderie que j'avais eue à la maison du canevas. Voilà, je vous montre de plus près le dessin. Ils sont trop beaux. Et du coup je me suis dit bon allez, on va aller commencer. Ça m'a pris quand hier, je crois, hier, avant-hier. Non, on est. Non, moi là, je suis samedi. Donc ça m'a pris hier, vendredi. Hop. Donc, voilà la bête. Bon, il n'y a pas grand chose de fait, hein. Mais elle est quand même commencée, voilà. Je suis dans le bon sens là, attendez. Oui, je suis dans le bon sens. Voilà. Alors c'est l'hymen. Alors avec mes yeux. C'est une toile Aïda 5-4. Oh là là. Oh, j'arrive pas à lire. Bon, c'est une Aïda 5-4. Elle est grise. Les fils, il y a combien de couleurs? On va marquer là. Bon, c'est pas grave. On va regarder. Hein. Alors les fils, par contre, je vais les remettre sur autre chose. Ça m'énerve là-dessus. J'aime pas. J'en ai 34. J'en ai 34. Alors, ce que je fais, quand j'ai un fil d'entamé, hop, je le remets au-dessus, voilà, dans le rond au-dessus. Et quand j'ai des doubles couleurs, voilà, comme j'ai de la place ici, je les mets là. Mais j'aime pas comme ça. En plus, ils sont, vous voyez, ils sont rangés, mais
n'y a pas de nœud, il n'y a rien. Donc, je pense que je vais les mettre sur des plaquettes plastiques. Ça ira beaucoup mieux. Je ne vais pas les mettre en bobinette parce que là, ils sont déjà coupés. Donc, en bobinette, ça va m'en... je vais devoir les bobiner fil par fil. Donc, c'est pas la peine. Alors, comme toutes mes belles broderies, j'ai imprimé la partie que je suis en train de broder maintenant. Voilà, comme ça, je peux stabiloter. Parce qu'il n'est pas question que je stabilote sur mes patrons d'origine. Et par contre, j'ai un petit souci. Alors, je vais voir ça avec Isabelle de la boutique La Maison du Canevas. Parce que hier, j'ai vu. Alors, j'ai un double couleur en deux fils. Jusque-là, pas de problème. Hein. Un fil d'une couleur, un fil d'une autre. Mais j'ai aussi un double couleur pour faire de la demi-croix en un fil. Là, je ne vois pas comment faire. Alors, comme je sais que celui-là, il a été fait en salle, je vais voir avec Isabelle, je vais lui poser la question. C'est le seul qui me pose problème, vraiment. Parce que là, mettre deux couleurs sur un fil, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. J'ai aussi en double couleur là. Bon, le 4 plus le 5, c'est bon, je sais, le 21 plus le 22, c'est bon. Mais j'en ai deux. Alors, on me dit le 15, entre parenthèses le 16, plus le 17, entre parenthèses le 18. Alors, moi, dans ma logique, ce que j'ai fait... J'ai pris le 15 et le 17. Je pense que c'est ça. C'est peut-être qu'on a, on a deux choix. On peut faire le 15 et le 17 ou alors le 16 et le 18. Je pense que ça doit être ça. Donc ça, je vais lui poser la question aussi. Mais là, j'ai déjà commencé à broder et je l'ai fait en 15 et 17. J'ai regardé les fils. Il n'y a pas grande différence si je prends le 16 et le 18. Donc voilà, bon, ça on verra. Ouais, les autres, ça va. Ce sont des blends, enfin des doubles couleurs. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. Donc, ça va. Plus celui que je vous dis là, mais là c'est un fil, donc là je sais pas. Alors si jamais il y en a de vous qui ont déjà brodé ce lanart, dites-le moi, mais je vous dis, je vais essayer de demander à Isabelle de la Maison du Canevas, je vais lui poser la question et puis voilà, il doit y avoir un truc. C'est peut-être une petite erreur qu'ils ont fait dans le patron. Donc voilà. Donc je pense que ça va être très joli. Bon, il va me falloir un petit peu de temps, hein, pour le faire, celui-là, bien sûr. Mais voilà. Et ouais. Et je vous jure. Et le pire, c'est que le mois prochain, j'en commence une autre. Puisqu'on fait un nouveau sale. C'est pour ça qu'il faut que ce mois-ci, je m'active sur certaines broderies que j'ai là, pour essayer de les terminer, pour pas avoir trop de broderies non plus à faire. Voilà.
Là, je suis en train de, comme je vous avais déjà expliqué, j'aime bien regarder les vidéos de brodeuses américaines. Bon, j'y comprends rien, hein, mais enfin, par-ci, par-là, il y a des mots que je comprends. Mais de toute façon, je mets les sous-titres en français. Malgré que YouTube, des fois, il traduit bizarre. Mais bon, on arrive à comprendre. Et là, je suis en train d'en regarder une, parce qu'il y a plusieurs vidéos à regarder. Elle fait un bilan de ses broderies de 2023. Alors pour faire son bilan, donc moi j'en suis à la deuxième vidéo. Oui, je crois que j'en suis à la deuxième vidéo. Elle a fait 5 vidéos de 2 heures. Juste pour montrer ses encours qu'elle a. 5 vidéos de 2 heures. Donc 5 fois 2, 10. Ça fait 10 heures de vidéo pour montrer les encours qu'elle a en broderie. Mais elles sont beaucoup comme ça en Amérique. Elles commencent énormément de broderies. Des fois, elles ont des broderies, là, il y en a d'autres que je regarde aussi. Elles ont des broderies qui sont commencées, par exemple, depuis 2018. Mais à quoi il y a un carré de fait, voilà. Là, elle, celle que je vous parle, là, où il y a 5 vidéos, je crois qu'elle doit être entre 130 et 150 broderies en cours, commencées. Là, c'est un peu beaucoup, hein, quand même. mais elles sont magnifiques, les broderies qu'elle fait. Hein, mais non, 150 en cours, non. Non, j'en arriverai pas là. Je ne pourrai pas. Je sais pas. Enfin, par contre, c'est superbe à regarder parce qu'il y a, oh, il y a des broderies. Alors, il y a des broderies, j'ai mis de côté les noms. Mais je me dis. Et là, justement, alors je sais pas, moi que je demande peut-être à cette fille sur sa chaîne ou. Parce qu'elles ont de ces toiles. Mais elles ont des toiles magnifiques. Oh, je sais pas où. Bon, si, je sais où elles les ont dans leur pays, les toiles, très certainement, en Amérique. Oh, mais elles ont des toiles à broder. Oh, je les voudrais. Alors, moi, j'ai une belle-sœur qui habite en Californie. Oui. c'est une sœur à chouchou. Elle habite en Californie. Et j'ai bien envie de lui demander si par chez elle il n'y a pas des boutiques de broderie et si elle pourrait pas regarder pour des toiles. Et sinon, j'ai cherché sur internet pour trouver des boutiques américaines, j'arrive pas à en trouver, j'en trouve pas. Alors, si certaines d'entre vous en connaissent, dites-le moi, envoyez-moi les liens. Parce que j'ai vraiment envie de regarder. Alors, j'ai vu que de mère en fille, elle avait des toiles américaines. Elles sont très jolies, hein, bien sûr, elles sont très jolies. J'ai vu que les prix étaient dans les 25 euros, je ne sais plus la taille des toiles. Voilà, mais c'est pas encore vraiment ce que je cherche. Là, c'est les toiles que j'ai vues, c'est des toiles vraiment multicolores, pas du truc vif, hein, c'est vraiment des très très belles toiles et j'aimerais bien en trouver. Voilà. Bon, ceci dit, la broderie, on a fini. Oui. Et on est à 1h15. 1h15 de vidéo pour parler broderie. Enfin non, il y a eu un quart d'heure de DP. Hein.
On va commencer par. Alors, je ne vais pas vous sortir ma couverture météo de 2023. J'ai rien fait dessus. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de la sortir. Je n'ai rien fait dessus. Il y avait trop à faire cette semaine avec les ouvrages de Nouvel An, tout ça. Donc, mais je la ressortirai la semaine prochaine. Oh, elle m'énerve, cette toile, elle accroche tout le temps. Alors, ma couverture de 2024. Bon. Ça tire. Bon, tu vas y arriver? Alors, 200 mailles. Alors, je sais pas pourquoi elle me fait ça à chaque fois. Va falloir que je la tende. Le premier rang, il se resserre tout le temps. À toutes mes couvertures. Hein. Pas... Alors, je fais ça de temps en temps. Je tire pour la détendre. Comme ça. Mais après, je crois qu'au fur et à mesure qu'elle va monter, ça va aller. Voilà. Où j'en suis. Je suis à jour. Donc là, je suis jusqu'à samedi. Donc là, vous voyez, on a eu 5 degrés aujourd'hui. Donc, petit changement de couleur. Je fais des brides. Voilà. Alors, je réfléchissais. Parce que ça m'arrive de réfléchir. Hein. je ne sais pas si j'ai pas envie de faire une semaine en bride. Une semaine avec un autre point, une semaine en bride, une semaine avec l'autre point, etc. Je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, quel autre point? Je ne sais pas non plus. Mais bon, est-ce que je risque pas que après je trouve ça moche? Je ne sais pas. À votre avis, des brides? Puis autre chose, après encore des brides, vraiment semaine par semaine, tous les 7 jours, changer le point. Ça me permettrait, juste peut-être pour marquer, y a une semaine en bride, donc ça fait une semaine, par exemple, je veux dire maille serrée, hein, mais c'est peut-être pas ça que je ferais. Une semaine en maille serrée, une semaine en bride, une semaine en maille serrée, voilà. Peut-être, je sais pas. Alors là, je ne fais pas d'aller-retour. Je fais un rang par jour, pas plus. Je ne sais pas la taille qu'elle fera. Tant pis. On va calculer à peu près. Bon, là, elle fait 6 jours, 6 cm. Alors, c'est 6 jours, 6 cm. Donc, un centimètre par 365 jours. Oui, ça fera 365 cm. Ça fera 3 mètres, c'est ça? Oh, je sais plus, attendez. Je sais plus. Oh la honte, je sais plus. Oh la honte. Bon, rigolez pas. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait 3. Ouais, ça fait 3 mètres quand même. Heureusement que je fais 40. Ouais. Donc ça fait 3,65 m, ou on va dire 3,70 m, plus un peu plus, parce qu'il va y avoir 12 rangs de blanc, donc ça fera 12 cm en plus.
Bon, on va dire 4 mètres. 4 mètres de couverture. C'est long, hein? Donc, je pense que je referai comme cette année. Une couverture coupée en deux. À 4 mètres, donc je ferai deux morceaux de 2 mètres. Ouais, 2 mètres, c'est bien. Sur la largeur, là, elle fait... Donc, il y a 200 mailles. Mais en largeur, donc elle fera... Bon, à vue de nez, hein, parce que là, je suis pas à plat. Ouais, je suis un petit peu plus d'un mètre. Donc, ça me ferait une couverture à peu près carrée. Du coup, ça me ferait, si je fais deux morceaux, ça me fait 2 mètres sur 2 mètres. C'est bien. Oui. Si je reste tout en bride, si je reste tout en bride, si je fais un point plus grand après, entre deux, bah, ce sera plus grand. Si ma serrée, c'est un petit peu plus petit, mais bon, c'est pas énorme. Voilà. Mais à la base, ça me ferait, ça me fait à peu près 4 mètres de couverture. Ouais. Donc, c'est long. Donc, voilà. Bon, on verra. Je vais voir d'ici lundi. Bon, d'ici demain. Je vais réfléchir, mais je ne sais pas. Je verrai bien. Ou alors, je la fais tout en bride. Ouais, ce que je peux faire aussi, faire tout en bride. Et à la fin du mois, puisque moi je fais une ligne blanche pour marquer la fin du mois, dans ce cas-là, cette ligne-là, je peux la faire d'un autre point. Oui. On verra. Alors, ensuite. Ensuite. Bon, ne me demandez pas la chaussette, hein, je l'ai toujours pas ressortie. Hein. Je crois qu'elle ressortira jamais. Alors, bah, je vais prendre celui-là en premier. Alors, j'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai... Oups là. Voilà. J'ai fait 4 ou 5 rangs. C'est toujours ça. Donc ça, c'est mon pull camionneur. C'est le devant. Voilà. Donc là, les côtes étaient déjà faites. Là, j'ai attaqué le jersey en vert, vous voyez. Mais dans le jersey en vert, alors là, on ne le voit pas encore bien. On le verra mieux après. Le premier rang de jersey, j'ai dû faire 8 augmentations. Et là, ici, au milieu, à peu près, hein, je fais des bandes d'une maille. Donc, il y en a 11. Il y aura 11 bandes de une maille. Donc là, moi, le pull est en jersey en vert, donc là on verra 11 bandes en jersey en droit. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous mettrai la photo. Voilà, pour pas me tromper sur ce premier rang, il y avait des marqueurs partout. J'avais mis les marqueurs à mes augmentations, des marqueurs à chaque début de rang, enfin de là où je devais faire une maille en droit, il y avait plein, je devais avoir au moins une vingtaine de, de marqueurs sur ce premier rang. Mais après, j'ai tout enlevé au deuxième rang, c'était bon. Donc voilà.
Bon, la semaine prochaine, il sera plus avancé, hein. Là, maintenant, ça va aller tout seul, puisque là, de toute façon, même les bordures en droit, je les vois bien. Ben là, je les vois, hein, voilà. Il y a, si vous voulez, ça fait une maille en droit, comme c'est de l'envers. Ça me fait une maille en droit, deux mailles en vert, une maille en droit, deux mailles en vert. Voilà. Bon, comme ça, 11 fois. Et puis, de toute façon, c'est du 6,5, donc ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe très, très vite. Alors, vous voyez, j'ai ce que je vous ai montré avec ma commande Hobby. Voilà, je les ai essayés, les petits bouchons. Comment on appelle ça? Je l'ai dit, les stops. Les protège-aiguilles, là, les stop aiguilles, et je sais, vous aurez compris, ils vont super bien. Vous voyez, là, c'est les grosses aiguilles, et il bouge pas, il va très très bien. J'ai mis les moyens sur l'autre, pareil, du coup, je vais en reprendre. Au prochain parrainage, j'en reprendrai. Enfin, la prochaine commande sur mes points de fidélité, puisque ça, c'est sur les points de fidélité. Ils sont top, ils vont très très bien. Donc voilà. Alors j'espère vous montrer le devant bien avancé. Alors c'est pour ça là, tout à l'heure ce que je vous disais, je sais pas si après ces ouvrages-là, si je continue le tricot, ou alors je ne ferai. C'est peut-être aussi le fait d'avoir plusieurs tricots, de commencer. C'est pas comme la broderie, les tricots, je trouve. Je devrais faire un tricot à la fois, peut-être. Pas en avoir plusieurs, parce que du coup, je me vois pas avancer. La broderie, on se voit avancer, mais le tricot, je me vois pas avancer. Là, j'en ai trois en route, et c'est peut-être ça qui me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes, tu t'arrêtes pas, je suis pas mieux. Voilà. Donc, je vais faire finir mes trois ouvrages là. Et quand ils seront terminés, je verrai peut-être pour en faire un à la fois. Ou comme ma belle-fille m'a dit, de faire une fois un au crochet, une fois un au tricot, un au crochet, voilà, pour alterner. Parce que là, je. Ouh. Alors, ensuite. Voilà, oh maintenant, je suis fâchée, mais c'est bouillant dans mon sac. Alors, celui-là, il avance aussi. Bon, j'ai pas fait beaucoup de rangs, mais c'est vrai que cette semaine, j'ai pas avancé. Hein. Vous voyez, le deuxième bouchon, ça c'est le moyen, il va très très bien. J'ai fait 6 ou 7 rangs, voilà. Bon, j'ai pas, c'est pas énorme, hein. Mais là, normalement, j'arrive aux emmanchures. Voilà, donc là, celui-là, je suis toujours sur le dos, hein, par contre. Celui-là, celui de chouchou et le pull camionneur, le dos est terminé. Mais celui-là, je suis toujours sur le dos. Et là, je suis arrivée à. Regardez ce que je fais, je tire celui-là, regarde. Oh, je fais des conneries, merde. Plus grosse que moi. Alors, celui-là, j'en suis où? Un petit 33. Et aux emmanchures, c'est à 36. Donc, encore 3 cm. Voilà. Là, il est tout simple, tout. Mais j'aime bien. Celui-là, il avance vite. Aussi, mais faudrait que j'avance plus. Ah, celui-là, j'ai perdu du temps, vous vous rappelez, hein, j'avais fait avec une pelote, ça n'a pas été, j'ai refait avec une autre pelote, donc je suis en train de m'emmêler des aiguilles. Voilà.
Donc, voilà. Il va falloir que je regarde mon nombre de pelotes exact parce que je crois que j'en aurais pas assez. J'ai vu qu'il y avait une promo en ce moment chez Bergère de France. Mais ça, c'est Bergère. Non, c'est Pingouin. Il y avait une promo chez Pingouin. Bon, de toute façon, il y a une promo chez Bergère de France aussi. Bergère de France en ce moment, sur certaines catégories, vous achetez 10 pelotes, vous en avez 10 gratuites. Donc c'est le moment de faire votre stop. Et voilà, je me suis cassé un ongle. Oh, c'est pas vrai. Il était grand. Voilà. Attendez. Je coupe mon ongle. Parce que là, il est tout pointu. Voilà. Il n'y a plus d'ongle. J'arrive pas à les garder grands, mes ongles. Ils sont pas assez robustes. Voilà. Cassé, a pu. Bon, c'est drôle, j'ai pas d'ongles. Oui, je vous disais, le pull à chouchou, lui, par contre, pardon, mon bébé, fais dodo, maman l'a pas fait exprès. J'ai réveillé. Le pull à chouchou, non, j'ai rien fait dessus. Alors, attendez. Je regarde. Ah. Alors. Il faudra que je mette un petit bouchon aussi. Non, voilà, je suis sur le devant. Mais. Ah, ou si j'ai peut-être avancé. Non. Non, je crois que j'ai pas avancé. Voilà. C'est quoi ça? Non. Où je fais attention de où est-ce que je vais arriver sur ma laine. Ah ben non, je crois que j'avais changé la pelote. Je crois que j'ai changé la pelote. Je sais plus. Rappelez que j'avais mis du chocolat dessus. Je sais plus. Donc voilà. Lui, il a plus la chouchou, il y a le dos qui est fait. Voilà, le dos est fait. Mais j'ai non, j'ai pas avancé le devant cette semaine. J'ai pas réussi à avoir le temps. Ça arrive, hein. Hop, voilà. Allez, rentre dedans. Les deux aiguilles sont là, oui. Donc voilà, ben je crois que là, cette fois, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Alors, la semaine prochaine. La semaine prochaine. On va faire le DP. Voilà, on va faire le DP. On va en broderie. Donc, on va avoir pas mal de choses à faire. On va avoir le Bouddha de Sabine, le Lanart, donc les deux hérons, les carottes, le jus de carotte de Lily Point. Le dragon, la broderie météo, la maison météo. Ensuite, alors attendez, je sais plus. Ouais, j'ai le Julia, le salle de Julia, j'ai le salle mystère, j'ai ma grenouille.
Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. Je voudrais essayer d'avancer en moyenne au moins 200-250 points, enfin plus 250 points sur chaque broderie. En sachant qu'il y en a certaines que je ne saurais pas compter les points, mais bon, c'est pas très grave. Je verrai à vue de nez quand même ce que ça fait. Oui, je voudrais avancer sur toutes mes broderies, si c'est possible. Toutes celles que je viens de vous montrer aujourd'hui. J'ai une tête. Niveau diamond painting, donc fermé deux cases, tout au moins. Je voudrais faire un DIY, le petit carnet. Je voudrais bien faire le petit carnet. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Je vais commencer à bâiller tous les 5 secondes. Et ensuite, les tricots. Voilà, avancer les tricots. On va dire 10 cm chacun, mais si je pouvais faire plus, ce serait bien. Ma couverture météo, ça va être tous les jours. Je vais faire mon rang tous les jours. Je voudrais aussi essayer de continuer d'avancer pour pouvoir terminer ma couverture 2023. Voilà. Je crois qu'il me faudrait des journées 48 heures, 72 heures. 72 heures, ce serait bien. En sachant que entre deux, j'aurai très certainement des vidéos unboxing à faire. Malgré que là, j'ai trouvé un peu un rythme. Quand je reçois un colis, j'essaye de, même peut-être pas de faire la vidéo tout de suite, mais d'aller un peu sur le temps, d'allonger un peu. Comme ça, je reçois moins de colis d'un coup. Parce qu'il y a été un moment, je recevais des colis, mais des fois 5-6 le même jour. On se calme. Bon, je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Je serais malvenue Mais voilà, bon, c'est des trucs gratuits qu'on me donne pour présenter. Ça me coûte rien, ça me prend du temps, voilà. Mais du coup, là, maintenant, j'ai essayé de trouver un rythme, voilà. Où déjà d'une, que vous ne soyez pas envahi de vidéos unboxing, parce qu'il y en a déjà des centaines, des milliers sur YouTube, tous les jours. Pour vous dire, bon, je regarde des fois les unboxings des copines, tout ça, mais bon, je ne peux pas tous les regarder, hein, déjà. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que maintenant... on voit que ça, que des vidéos unboxing. Des fois, je cherche des vidéos, comme je vous dis, là, les brodeuses américaines, les trucs. Mais des fois, j'ai du mal à trouver. Dans mon fil d'actualité de YouTube, c'est unboxing, 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 unboxing. Ça, au bout d'un moment... Là, tout à l'heure, ma belle-fille est venue parce qu'elle va avoir terminé sa broderie parce qu'elle n'en fait qu'une à la fois. Elle est raisonnable. Et j'avais dit, si tu veux une broderie, tu viendras à la maison pour choisir. Donc, on a été en haut dans mon atelier et
voyez, il y avait des kits partout. J'ai des kits partout. Donc, avec ma belle-fille, bah, tout en choisissant, en même temps, elle me les a rangés dans des bacs. Mais non, je crois qu'il va que je vais essayer de me calmer un peu aussi sur l'unboxing. Mais bon, il y a des boutiques que je ne veux pas arrêter parce que c'est des très très bonnes boutiques, hein, genre VIP Crostiche, voilà. Il y a une boutique que j'ai plus de nouvelles. Bon, je ne vais pas courir après eux, hein. C'est Pan by Number Day. Eux, je n'ai plus de nouvelles pour l'instant. J'aurais envoyé ma dernière vidéo, ça fait déjà un petit moment. 10-15 jours après, j'aurais renvoyé un message. On ne sait jamais que l'email ne serait pas arrivé. Ils n'ont pas répondu non plus. Oh, tant pis, hein. Moi, je cours pas. Hein. C'est eux qui ont besoin de nous. Hein. C'est pas nous qui avons besoin d'eux. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai pu celui-là. Je sais pas pourquoi, ou elles sont en vacances, ou j'en sais rien. Là, je reçois encore des demandes de partenariat, mais des fois, c'est des trucs bizarres, donc je réponds même pas. Je mets dans la corbeille et puis hop, j'oublie. Voilà, donc non, il y a les boutiques que j'aimerais bien garder, c'est VIP Crostiche, Outdoor Tide, voilà. Et après, bon, il y a pour Diamond Painting aussi, par exemple Diamond Argif. Il y a Bigas Craft, ouais, pour, sans plus. Voilà, je vais essayer de ralentir les unboxings parce que du coup, moi, vous me demandez des vidéos, j'ai ma liste, hein. Vous me demandez des vidéos. J'ai encore plein de vidéos tuto à faire, mais je trouve pas le temps à cause de ça. Donc, je crois que je suis pas la seule à penser ça maintenant. Parce que bon, au début, c'est bien qu'on reçoit des partenariats. Mais après, on est trop sollicité, je trouve. Et puis, il se passe un truc aussi, c'est qu'ils ont tous les mêmes articles. Donc même pour choisir, ça devient de plus en plus compliqué parce que moi en plus mon choix est assez restreint parce qu'en niveau d'épée, nous on ne prend que des 40-30 en perles rondes. Bon, de temps en temps, je prends un strass quand même ou un DIY, mais je veux dire, en DP pur, ce ne sont que des 40-30 en perles rondes, en diamant rond. En broderie, je ne prends plus de DIY crostiche, je ne prends plus. J'essaye de ne plus prendre de 11CT, j'essaye de ne prendre que du Dioy Sandé. Voilà, donc mon champ de vision sur les boutiques est de plus en plus restreint. Voilà. Et même niveau des outils, c'est toujours la même chose, toujours. Donc, au bout d'un moment, je vous assure que des fois, il m'est arrivé de passer 2 heures pour choisir des articles pour un partenariat. Donc, vous comptez déjà 2 heures pour choisir. Vous recevez le colis, le filmer la vidéo, faire le montage, le mettre en ligne, tout ça, ça me reprend encore 1 heure en plus, 1 heure ou 1 heure et demie. Voilà. Donc, bon, je sais qu'il y en a qui, peut-être derrière leur écran, qui vont dire, t'exagères, c'est des trucs, oh là, m'énerve mes cheveux, c'est des trucs gratuits, on aimerait bien aussi avoir des trucs gratuits, je suis sûre, hein, mais bon, voilà. De toute façon, je vous dirais, moi je continue à en faire, mais pour essayer de garder des lots aussi pour vous, pour quand je fais les concours, mais voilà,
Il faut que j'essaye de ralentir un peu les unboxings. Parce que de toute façon, et en plus, on est toutes en train de montrer la même chose. C'est ça le pire. C'est que dans nos vidéos, on est toutes en train de montrer les mêmes articles. Voilà. Donc, et des fois, il m'est arrivé de voir des unboxings américains, ben, ou canadiens, ou les filles montrent les mêmes trucs que nous. voilà. Donc, il faut que je vais essayer de voir pour ralentir un peu les unboxings et pour en mettre un peu moins sur ma chaîne. Bon, vous avez pu remarquer quand même qu'il y en a normalement, il y en a un peu moins, mais voilà. Bon, tout ça pour dire. Je ne sais plus quoi, pourquoi je parlais de ça en plus, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça ne vous a pas ennuyé, que je vous donne mon avis là-dessus. Et oui, on était parti sur l'américaine, là, qui a ses 5 vidéos pour montrer ses encours de 2023. Au début, on était parti là-dessus. Je sais pas, ça a dévié. Bon, bah moi maintenant je vais ranger tout ça parce qu'il est 11h du soir. Donc pas de montage de vidéo ce soir. Hein. Non, 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 non. Là je vais ranger tout ça. Et puis, boire un petit coup, un petit thé pêche parce que j'ai soif à force de parler. Mettre mon pilou-pilou. Pour aller faire dodo et puis après oups on va mettre comme on dit mince ah on va mettre le jambon dans le torchon voilà. Alors, le jambon c'est moi, le torchon c'est le lit. Vous auriez compris. Ah oui, si, cette semaine, c'est pour ça aussi, j'ai fait du bobinage. J'ai commencé à rebobiner les échevettes, donc ça m'a pris du temps aussi. Voilà, j'en ai toujours autant à bobiner, mais bon. Allez, bon, maintenant je vous laisse. Hein. Il est quelle heure? Enfin, il est quelle heure? Ça fait 1h, bientôt 50 que je papote. Vous devez en avoir marre. Alors, n'hésitez pas à me mettre des poupousses si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bon, je sais, je suis très en retard sur mes réponses de commentaires. Je sais. Me disputez pas. Ça y est, j'ai OK. Mais je rattrape mon retard un petit peu à la fois. Mais de toute façon, maintenant que le calendrier de l'Avent est terminé, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de commentaires. Ouais, c'est comme ça. Si je remets un concours, il y aura beaucoup de commentaires. Voilà. Faut pas juste venir sur ma chaîne pour gagner des cadeaux. Non, 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 non. Il faut aussi regarder mes autres vidéos. Ça me fait plaisir de voir qu'on regarde mes vidéos, qu'elles plaisent et qu'on me laisse des petits commentaires, même si c'est pas grand-chose, mais voilà. Je sais que des fois on regarde sur la télé, mais bon, voilà, moi c'est pareil, hein, je regarde sur la télé, mais des fois je vais mettre un commentaire, mais après ou le lendemain, avec mon téléphone ou sur l'ordinateur. Mais voilà. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup moins de commentaires maintenant, depuis que le calendrier de l'Avent est terminé. Mais bon. Je ne dis pas ça pour mes fidèles. Hein. Mes fidèles sont toujours là. Vous êtes toujours là. Vous mettez des commentaires, des pouces et tout ça. Il n'y a aucun souci.
tu parles d'autres personnes. Que je ne vois plus. Bon, allez, je vous laisse cette fois. Je vais vous faire à tous. Il est 1h50 pile de vidéo. Et maintenant, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.